Dimanche 25 juillet, Saint-Jacques, Sayad. Pioen an ta via, non as basera, os alve aluditia, delon cisera. Mezza la versità
conosci guai bel facchiria splendi per la libertà. Crescerò Gesù fra le brunchiere portando la speranza a guardare. Da dove oggi canzone straniere chiamano la solidarietà. Lagrima pura che sbuccia sorgente a più mare di l'unità. Forza sicura che rigliaramente soffio di verità. Passo una vita di gioia di pena, passo di fedeltà. Parola scritta che sempre smena la bene chi ne serrà. Crescerò speranza guarda, da dove oggi canzone straniere chiamano la solidarietà. La confrérie devait trop battre. Chers amis, merci de votre présence cette année. Vous qui venez de Casigny, d'Ampugnan, de Bastia et d'ailleurs. Le cœur de la fête aujourd'hui, c'est Jacques le Majeur, fils de Zébédée, le fils du tonnerre. Nous sommes ici sur les vestiges d'une histoire héroïque et parfois tragique, avec comme ligne d'horizon l'île de Monte-Cristo. La personne qui a marqué le XVIe siècle en Corse, c'est bien Sampiero Borso. De son vrai nom, Sampiero Porri. Il a été élevé par ses deux oncles, dont Teram ou Porri, qui lui ont transmis le sens de la justice et de l'honneur. Et nous avons appris par tradition orale qu'une famille pauvre vivait au village de Porri. Sampiero était adulé par ses hommes. Et en 1554, 400 Corses et 800 Italiens se sont réunis à Silvareggio, sous ses ordres, et ont libéré une partie de la Casigne. On sait aussi que l'église de Porri date du milieu du XVIIe siècle. Il est donc fort probable qu'en mettant en lien tous ces indices, que le nom du village de Porri ait été donné en l'honneur de Sampiero Borso et de ses descendants. Possiamo di nuovo sottolineare che durante la Seconda Guerra Mondiale Francesco Vittori e i partigiani pigliarono Sampiero per riverenza. Ma durante un combatto contro l'armata fascista di Mussolini. Siamo assai felici di partecipare a questa messa in questo luogo che ci rilega alla storia di questa terra. In un'epoca oggi appena ingarbugliata, femmoci l'augurio che sti canti polifonici risonino a stadiam di avellezza di Iguri. Che ogni soffio di vita sia un soffio di libertà. Santa Barbara,
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux de vous retrouver sur ce lieu pour honorer Saint-Jacques. Mais c'est en ce dimanche aussi le jour du Seigneur. Et nous savons que le Seigneur Jésus fait des merveilles pour nous tous. Alors, il nous demande simplement de lui faire confiance. Prépare-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais en mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh,
Seigneur, ce qui compte sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ce qui demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. »
Son serviteur répondit : Comment donner cela à 100 personnes ? Élisée reprit : Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur : On mangera et il en restera. Alors il le leur donna, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
grand prophète élevé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il dit cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. L'un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Et il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et remplirent 12 paniers, avec les morceaux des 5 parts d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons prendre une tasse. Nous allons méditer quelques instants cet évangile. On voit qu'il y a une foule immense autour de Jésus. Et Jésus, bien sûr, dit donner à manger à ces gens. Alors Philippe et André lui disent, « Mais Seigneur, comment faire ?» Et voilà qu'il y a un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Oui, Jésus a multiplié ce qu'un jeune garçon avait apporté. Et bien sûr, frères et sœurs, dans l'Évangile, cet enfant, c'est chacun de nous. Jésus fait pour nous tous des merveilles. Et nous savons qu'avec lui, rien n'est jamais perdu. Au contraire, Jésus est tellement généreux qu'il multiplie des biens pour nous tous. Jésus est tellement généreux qu'il répand sur nous tous son amour. Alors, nous aussi, nous devons faire des efforts, être constamment à l'écoute de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, prenons quelques instants en silence sur cette montagne. Imaginons le Christ au milieu de nous tous. Eh bien, dans notre prière, nous pouvons remercier le Seigneur Jésus, le remercier pour cette joie qu'il nous donne de nous rassembler en son nom. Amen.
Nous allons maintenant proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a été crucifié, est mort, a été ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, supplions Dieu notre Père pour la mission, pour tous ceux et celles qui souffrent, et prions pour le monde entier. Et nous pouvons chanter sûrs de ton amour et fort de notre foi. Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Aujourd'hui, l'Église célèbre la première journée mondiale des personnes âgées et des grands-parents. Pour celles et ceux qui souffrent de solitude, prions d'un même cœur. Sûr de son amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Des populations entières sont victimes d'une mauvaise répartition des richesses de la terre. Pour tous les dirigeants du monde appelés à servir la justice, prions d'un même cœur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Le chemin de Compostelle célèbre cette année une année jubilaire. Pour les pèlerins et ceux que la pandémie prive de ce pèlerinage, prions d'un même cœur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Saint Paul demande de faire de nos communautés chrétiennes des lieux de charité envers les plus pauvres, pour notre assemblée invitée à grandir dans l'amour et le service, prions d'un même cœur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, avoir une pensée pour tous nos malades, plus spécialement pour Benoît, pour toutes ceux et celles qui souffrent du Covid, bien sûr demandant à Dieu le Père de leur donner la force et le courage. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, notre Père, puisque tu sauves tous les hommes en ton Fils, le seul Seigneur, accorde à tous nos frères la paix de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh,
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, tes offrandes prélevées pour toi, toutes tes propres largesses. Que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le monde entre cœur. Nous le trouvons avec le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce tout sourire en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sainteté, nous voici rassemblés devant toi et de la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour nous servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque François, et tout ce qui est la chair de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, qui dorment dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous confions aujourd'hui la miséricorde infinie de notre Dieu, les défunts de nos familles, tous ceux et celles que nous avons connus et aimés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous sentions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors les enfants, venez avec moi autour de l'autel. Il n'y a plus les enfants. Allez les enfants, venez, venez là. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix dans ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Thank you.
heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas indigne de recevoir, mais seulement le parole qui sera mise en œuvre. Alors pour la communion, vous ne bougez pas de votre place, je vais passer. Donc ceux et celles qui désirent la communion, bien sûr vous mettez vos mains comme ça et je sais que vous allez communier. Peres tu pan et consagrado in rero mai, io creo, per stui non ognuno, benedetto in rero
Communier, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui vit, règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avant de nous tourner vers la Vierge Marie, bien sûr, Marie est dans nos cœurs, mais elle est de partout aussi. Je vais prendre la croix, je vais quand même bénir le secteur. Et bien sûr, la bénédiction du Seigneur s'étend à travers les quatre coins. Bien sûr, prions aussi Marie pour qu'elle nous protège, bien sûr, de ce virus. Confions à Marie notre monde aujourd'hui, un monde on le voit. En désarroi. Prions Marie pour qu'elle nous mène vers son Fils bien-aimé. Bien sûr, avant, je vous remercie pour cette célébration, merci pour les chanteurs, merci à vous tous. Bien sûr, bonne fête
à ceux qui s'appellent Jacques, comme il y a deux Jacques ici. Hein? Il y en a. Il y en a qu'un. Notre monde, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oh,
deine tous un grand merci aux chanteurs, bien sûr à la présence de la confrérie de Vescovat, et bien sûr à la petite chorale de Port-Ila. Alors c'est très bien, comme ça je vous donne rendez-vous le 16 août qui est la messe de la Tarosse, alors vous chanterez la messe. Nous allons mettre bien sûr tout autour et on va partager le repas. Bien sûr, demain soir à 18h30, le ténèbre, la fête patronale de Sainte-Anne à Calvat. Alors peut-être il faut être un peu nombreux, mais en tout cas, on se retrouve ici, comme tous les ans, l'année prochaine, peut-être encore avec plus de monde. Cette année, il y a pas mal de monde. Merci.
Biancherò sedina d'oro
guardare si va un fiore a parlare e in congiugare salvo con te tu sera quello che te e l'amore ne ho di scrive il tuo nome da sopra tutte le stelle in paese di un nasce pure te belle desidere fortunato quella di la mia mamma che si lamenta chi piange quassù in un paese spenta la fiamma di nonno mamma di mondo un bacio addio Maria di oggi da e io ritorno e addio Parigi, addio Gita, e io ritorno e ti rispondo ma ogni fortuna, quasi una natura la luna,
Guru Gampane Jikor, Umiori Dornu Bisogna Festa. Il va rechubare Jikor, Ufusi mai, Ufusi mai, Ufusi mai, Ufusi mai,